Allez, salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, nous sommes le mardi 24 juin, si je ne dis pas de bêtises, oui ça doit être ça, normalement à chaque fois je me répète et je dis, enfin je me gourre en général quand je dis les dates, mais là normalement c'est bon, il n'y a pas de souci. On se retrouve donc, j'ai le plaisir de vous retrouver sur SimCity après deux semaines d'absence complète de vidéos sur SimCity. Bon, après j'avais le bac, j'ai une excuse hein, s'il vous plaît. Mais bon, ça fait plaisir de revenir. Voilà, on va pouvoir reprendre en plus de manière régulière. Puisque maintenant, on va dire que j'ai le temps avec les vacances et les grandes vacances en plus, c'est l'été donc là. Ah, je vais faire péter les vidéos. Alors, tout de suite, on va zoomer sur... On revient sur ce riff du scorpion. Alors, oula. Oula, il y avait un méchant bug graphique. Bref, c'est pas grave. Au niveau du nom de la ville, oui, j'ai Rive du Scorpion. J'ai complètement... Alors là, par contre, j'ai oublié d'aller voir les noms. Mais en tout cas, je me souviens que j'avais créé cette ville dans le but de fournir des produits high-tech. Enfin, plus précisément, des ordinateurs ou des téléviseurs. Pour, je vous rappelle, finir... de construire notre chantier, notre méga structure qui est l'archéologie, je dis bien archéologie et pas archéologie, attention. Donc on fournit déjà du métal, on approche les 300 tonnes de métal, sachant qu'il en faut 2800, c'est pas terminé, bref, encore beaucoup de chemin. En ce qui concerne l'alliage, c'est pareil, je produis de l'alliage dans... alors comment ça s'appelle? Résultat, j'ai complètement oublié toutes les villes, je suis complètement désolé, Chinese Factories, non, si... Si, c'est elle qui attendait. Oui, c'est elle. C'est elle qui... J'ai installé une déchetterie avec un... Enfin, une... alors, comment ça s'appelle déjà? Pour recycler, voilà, pour transformer le plastique, enfin, les déchets, pour les recycler, pour les transformer en alliage. Donc, pour construire l'archéologie. Et il nous faut également 60 000 caisses de téléviseurs. Bref, beaucoup, beaucoup de ressources. On va tout de suite s'atteler à la tâche. Tac. Voilà. Donc, oula, mais il y a des sacrés bugs graphiques, dis donc, c'est quoi ce bordel? Bon, alors, le but étant, bien sûr, d'augmenter le niveau technologique le plus rapidement possible. Alors, vous pouvez voir déjà que on avait construit dans l'épisode d'avant, donc on avait déjà une école primaire, un lycée, bien sûr, et puis un centre universitaire. Alors, le centre universitaire, c'est plus petit qu'une université, bien sûr. Enfin, ça n'a pas la même fonction, on ne peut pas développer, vous voyez, de projet de développement, oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu ça dans l'idée. On a juste, voilà, c'est un centre universitaire, c'est dans le but, voilà, de fournir une certaine éducation aux Sims, aux jeunes adultes, finalement. L'école primaire, elle, aux jeunes enfants, au lycée, aux ados, et donc le centre universitaire, les jeunes adultes, voilà, tout ça dans le but d'augmenter le niveau technologique. D'ailleurs, en parlant de niveau technologique, on va aller tout de suite se renseigner, voyons voir. Bon, alors niveau d'éducation, on a deux chapeaux. C'est plutôt pas mal. Par contre, niveau technologique, il est nul. Alors, peut-être que... Attendez, si je regarde bien, augmente le niveau technologique des bâtiments industriels environnants. Ouais, le problème, c'est qu'ils sont trop loin, les bâtiments industriels. Alors après, je sais pas si l'influence... porte sur toute la ville, enfin sur toute la... Oui, sur toute la ville. Ou alors, est-ce que, bien, ça se limite aux zones vertes que vous pouvez voir, là, enfin, aux routes, quoi, finalement. Alors ça, c'est une excellente question, je ne sais pas du tout. Est-ce que le lycée augmente le niveau technologique? Non, il augmente juste la valeur du terrain. Voilà. Ouais. Il faudra faire un test, j'essaierai de construire un... Enfin, on va voir. On va attendre un peu que ça se développe, et puis on verra si c'est vraiment ça, hein. Et dans ce cas-là, j'aurai un peu les boules, je reconstruirai mon centre universitaire. Bon, au milieu des industries, ça le fait pas trop. Enfin, franchement, c'est pas top, mais bon. Ah oui, sachant qu'on extrait un peu de charbon, voilà, 120 tonnes par jour apparemment, qu'on l'exporte, histoire de se faire un peu d'argent. On gagne 1800 par heure, on a 33 000 dans les coffres, c'est plutôt pas mal. On va juste... parce que moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué là. Enfin, ça a deux semaines, quoi, c'est quand même énorme, hein. Donc voilà, la veine de charbon ici, bon, qui se vide petit à petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a du charbon ici? Ou ça doit être un peu buggé ça? Ouais. Ou alors à moins que ça... Ouais, non, ça n'a peut-être rien à voir.
Bref, on s'en fout. Est-ce que j'ai du minerai? Il me semble que j'avais du minerai, non? Non, j'ai rien. Ah non, c'est du pétrole que j'ai, voilà. J'ai du pétrole juste ici, une énorme nappe de pétrole. Qu'il va falloir que... En fait, je suis même pas obligé de l'exploiter, mais regardez-moi ça. Elle est tellement énorme que c'est de l'argent, là, facile. Vraiment. On aurait tort de s'en priver. Oui, tu vas me virer cette carte. Ok, mais bon, pour l'instant, c'est pas mon objectif principal. Moi, ce que je veux, c'est le niveau technologique, augmenter l'éducation. Ah, ça me gratte le pied, ah, ça me gratte le pied, je suis désolé. Ah, il y a un truc qui se développe juste en bas à gauche, là, c'est comme vous pouvez le constater. Ah, oui, ça doit être... Ah oui, non, c'est deux bâtiments, d'accord. Ok, c'est une zone commerciale. Après, niveau demande d'habitation... ouais, demandez plutôt forte. Alors là, par contre, on va pas spécialiser dans la... Dans les... C'est un peu bizarre dit comme ça, mais... Dans les pauvres, quoi, enfin... On va plutôt essayer de, ouais, quand même, d'amener une population aisée. Alors là, je vais essayer de faire un truc potable. Ah, c'est un peu compliqué, hein, je vous le cache pas. Non, alors oui, il faut maintenir la courbure, voilà, comme ceci. Et là, on peut rejoindre, voilà, comme ça. Ok, comme ça, ouais, c'est parfait. Ça fait une belle couille. Ouais, la métaphore est bien trouvée, je trouve. Bah ici, résultat, je pense qu'on va maxer la zone commerciale. Après, sur les rives, paf, voilà, on peut remettre de l'habitation. Ici, on perd un peu de place, c'est vrai, mais bon, quand on aura des immeubles, pourquoi pas, hein, eh bien, paf, ils auront la place de se développer. Enfin, de grandir. Pareil ici, je veux que les bâtiments aient la place de se développer. Pour se développer, pardon. Place pour se développer. Oh mon dieu, je ne sais plus parler. Ici, on va faire un petit tac tac tac. Ouais. Alors, est-ce que... Oui, la route courbe est... Fais-moi une route courbe, Patrick, s'il te plaît. Fais-moi une route courbe. Attends, on va passer par là, résultat. Alors, est-ce que c'est intelligent de faire ça? Non. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que j'ai une avenue en plein milieu, là. Mais pour l'instant, on peut pas, puisqu'il y a le pétrole qui gêne, et va falloir que je l'exploite tôt ou tard, donc il va falloir que je mette des installations. Bref, c'est pas important. Alors, tac, ici, on fout bien sûr, de la zone d'habitation. Et ici, alors, zone commerciale. Où est-ce qu'elles sont placées, zone commerciale, zone commerciale? Ah, j'en ai beaucoup, finalement. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici, là, voilà. Ouais, histoire d'en avoir un petit peu partout sur la ville. On va redévelopper, enfin, on va continuer, on va pas redévelopper, parce qu'elle est déjà développée. On va continuer à développer l'industrie. Alors, la route, ici. Waouh, waouh, waouh. Alors là, il me fait des trucs un peu chelous. Non, on va essayer de pas trop défigurer le paysage. Je tiens quand même à ce bel environnement naturel, voyez-vous, le désert. Tac. Ok, ici, ça se développe. Alors, est-ce que le niveau technologique augmente? J'ai bien l'impression, oui, on est passé au niveau technologique 2. Ah, ça fait plaisir, ça fait vraiment très très plaisir. Donc, j'ai ma réponse. Le centre universitaire agit bien sûr sur toute la ville. Et ça, ça me rassure. Heureusement d'ailleurs. Bon. D'ailleurs, je suis pas. Paf, paf, paf. On passe le temps en vitesse 3. Ici, j'espère que les habitants vont se ramener. Et finalement, on a une demande de commerce riche et pauvre, mais absolument pas aisé, c'est marrant ça. J'ai ma gare, 12 minutes d'attente, donc je vous rappelle avec la petite technique des rails, vous voyez, paf, petite déviation qui revient sur la voie juste après pour fluidifier le trafic. Pétition pour construire le logement du maire, vous voulez que je construise le... Ouais, écoutez, moi ça me dérange pas, mais bon, ça va être chiant encore à... Ah non, c'est pas celle-là, non ouais, celle-là je peux la mettre. Je suis tellement pimp que je vais me foutre ici là. Ah mais non! Oh quel idiot! Non, ça c'est pas le bon plan en fait. Bulldozer. Je l'ai foutu en plein... En plein sur la zone où j'exploiterai le pétrole. Non, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre là. Voilà. Paf! Et pouf! Plein de petites têtes vertes qui vont remplacer toutes les petites têtes rouges. C'est beau. C'est trop beau. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Ici aussi je perds de la place... Au final, donc il faut que j'arrange ça. Du coup, là, ouais, ça va être un petit peu. J'aime pas quand c'est abrupt. Je vais essayer d'arranger ça. Là, c'est assez chaud. Ouais. Évidemment, je peux pas vraiment faire autrement.
Oh, je vous fais une forme un peu cracra là, je dois l'avouer. C'est pas très beau. Hein. Quoique, comme ça. Ouais, non, ça c'est le coup à engorger. Ah, c'est con, putain, il gêne. Ah, bon, c'est pas grave. On va trouver une solution. Le château d'eau le plus casse-couille du monde. Mais bon, il est bien utile, donc je peux pas le virer. Bon, écoutez, hop, on va pas se faire chier, paf, voilà. Résultat, bah, je peux rajouter encore et toujours de l'habitation. Jusque-là, vous connaissez, on commence à avoir des immeubles. Ici, qu'est-ce que... Non, il va me saouler avec Dr. View, je sais pas quoi. Et on a quand même une première entreprise avec un niveau technologique plus élevé. C'est quoi Generic Industry? Oh yeah, la classe. Vous voyez, le bâtiment est un peu plus moderne. Vous voyez, c'est pas des grosses manufactures qui polluent comme ça là. Bon, j'espère que ça va. Les infernos ne sont pas mauvaises. Ouais, la densité baisse. Je ne sais pour quelle raison. On vient de dépasser les 10 000 habitants. Non, le niveau technologique n'a toujours pas augmenté. Alors, faudrait peut-être que j'augmente la richesse et bien sûr la densité. Alors ça, paf, on va sortir le parc. Ou les places. Je suis un spécialiste pour placer des parcs. Alors, où est-ce qu'on va? On va essayer d'augmenter un peu. On va ramener des gros riches ici, là. Dans ce coin-là, faudrait, non? C'est bien, là? Ouais. Là, c'est bien. Pareil, dans la zone commerciale, je favorise. Du coup, ici, vu que j'ai déjà foutu... Oh, c'est peut-être un peu gros, ça. Faudrait... Ah, c'est pas mal, ça. Ah, c'est énorme aussi. Non, c'est trop gros, ça. C'est beaucoup trop gros, voyons, classique. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, ça, je peux mettre ça, une parc avec fontaine, là. Que je fous là, là. Juste ici, là. Ah ouais, là, comme ça, toute cette zone, là. Une zone bien, bien attrayante. Il faudrait que je cale le parc du lancement ou alors un amphithéâtre, ça pourrait le faire. Mais c'est tellement gros, cette merde. Non, je vais peut-être pas le mettre. Je vais peut-être foutre ça, là. Il y a déjà pas mal de choses, hein, ici. Bah ici, ils ont pas de parc. Alors, on va leur placer ça, là. Paf! Voilà! Donc, ah! Petit problème au niveau des services de pompiers. Alors, qu'est-ce qu'ils me demandent ici? Voyons voir, ça parle de l'éducation. Si nous voulons que les Sims soient instruits, nous voulons construire une université. Tu te fous de moi ou... sur le plus évolué de toute la... plus tard, puisque j'ai déjà construit un centre universitaire. Et vous avez déjà une université dans la région. Alors, peut-être, éventuellement, je pourrais peut-être en rajouter une deuxième. Je me dis ça, mais bon... Ouais, ça ferait deux universités dans la région. Je me tâte, effectivement, ça peut être une solution, une idée. Je vais l'envisager peut-être. La mettre au milieu, faire un autre campus. Ou alors par ici, ouais, faire un campus universitaire par ici. Et ici, Maxell Industries. Ah non, mais non, ici, il faut que je réserve la zone pour justement produire des téléviseurs et plein de choses. Waouh, pas mal, j'adore ces bâtiments. Je trouve ça vraiment classe, ces immeubles un peu moderne, enfin entre guillemets, hein, c'est pas les plus modernes, mais voilà, ça change. J'aime beaucoup déjà le design des bâtiments dans SimCity, je l'ai peut-être jamais dit, mais ça me plaît beaucoup. Et vous voyez que le trafic est plutôt chargé. Hein. Oh, des panneaux solaires! Ah oui, alors quant au DLC, bien sûr, qui s'appelle Ville de Demain, je vais essayer de me l'acheter cet été. Si je crois qu'il est... Oui, il a 12€ si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, sur Kinguin, 12€. Donc j'essaierai de me le prendre cet été quand j'aurai les moyens. Sachant que j'ai d'autres jeux à acheter, vraiment, là, que j'ai tellement envie d'acheter pour vous faire des vidéos dessus. Vous allez voir, ça va être génial, mais bon, malheureusement, je peux pas encore. Bref, je l'achèterai en temps voulu. Comme ça fera du renouveau sur la série. C'est ce qu'on veut. Alors ici, est-ce que j'ai quelque chose à améliorer? Bien sûr, il nous faut plus de classes. Bah écoute, paf, tac, voilà, je mets les moyens, je rajoute de la classe. Pareil, est-ce qu'au niveau de l'école primaire, on est bien? Au niveau classe, je ne peux pas en mettre plus. On va rajouter par contre des camions, pardon, des bus. Ah, parce que là, je perds des habitants, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, si, c'est parce que j'ai augmenté la richesse. Oula, pardon. C'est bon, ça va mieux. Oui. La densité a baissé, enfin il y a moins de Sims dans les habitats aisés que dans les habitats pauvres en fait. Sauf si on a plus de densité, ce qui est le cas juste ici. Bon alors qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils veulent organiser un feu d'artifice. Voilà, paf. Ça, on peut se faire 50 000 à chaque fois, j'accepte le défi puisqu'on peut se faire 50 000 gratos. Bon alors moi je dis, on va quand même demander le peuple quoi. Bon, je balance ça. Allez hop. Alors ici on va
continuer, on va développer, on va encore ramener de l'industrie. Pas du tout sec. Oh Patrick là, qu'est-ce que tu me fais là? Hop, voilà, comme ceci. Alors, on va aussi jeter un coup d'œil à la... Comment ça s'appelle? À la spécialisation. Alors, ici, c'est technologique électronique. Donc, pour faire une usine de processeurs qui a une capacité... Alors, je sais pas si c'est une capacité maximale sans les extensions et tout le bordel. Enfin, je sais pas si ça a un rapport, mais bref. 2400 caisses par jour, ce qui est énorme. Ayez 5 bâtiments industriels de niveau technologique moyen. Donc pour l'instant je suis à 3 bâtiments de niveau technologique moyen apparemment. Ayez 5 bâtiments industriels de niveau de technologie élevé. Ah oui, après oui c'est pas tout, faut avoir encore plus. Donc ça c'est mort. Allez les mecs, oui vous voyez que là j'ai déjà 2 bâtiments, 3 peut-être, non 2. Alors il y a le troisième qui... Voilà, on a les 3 bâtiments technologiques. Donc, bon, voilà, faut attendre encore que ça se développe. Et pour ça, il faut que je rajoute de l'industrie, voyez-vous. Bon, waouh, la demande de Sims aisé, de Sims riche explose. Ah, ici, qu'est-ce qui se passe, là? Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, d'accord, ok. Les Sims sont réemmenés. Oula, par contre, ici, c'est... Ah oui, c'est parce que c'est en feu, d'accord. Oui, c'est le feu d'artifice de merde, là. Je sais même pas si je vais remporter le défi, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas un problème, on s'en fout. Ouais, bah résultat ici, je pense que je vais construire la route. Mais le problème, c'est que si jamais je veux reconstruire une nouvelle gare, ça posera problème. Bon, c'est pas grave. Tac, ici, du coup, on va mettre une route droite. Ah, yeah, 50 000 dans la popoche. Résultat, j'ai pas mal de fric. Hein. J'ai envie de faire un truc comme ça, là, en diagonale. Paf. J'ai pas mal de sous-sous dans la popoche. Ça fait plaisir. Ouais, je vais quand même mettre une route. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Ah, le service de santé faiblit. On a beaucoup de malades. Alors, où est ma clinique? Ouais, c'est vrai que j'y pense. Je vais rajouter deuxième annexe et une ambulance. Mais les ambulances, ça coûte la peau du zboob. C'est vraiment... incroyable, j'ai 2 morts par... Ah oui, 2 morts par jour. Ouais, 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 il faut plus d'ambulances. Là, il faut plus d'ambulances. Paf, on va mettre 3 ambulances. Oui, ça va me coûter un peu un bras, mais c'est pas grave. Je fais ça pour le bien, voilà, de la société. Hein. Bang. Ici, y a pas beaucoup de place, hein. Y a que des grosses industries, donc les affaires ne sont pas mauvaises. Ouais, pourtant, la densité a l'air de chuter. Et le niveau technologique n'augmente pas énormément ici. Alors ça, c'est assez étrange. On va rejeter un coup d'œil à... Paf! Électronique. On en a toujours 4. Il faut augmenter le niveau d'éducation. Tout est là. C'est la clé. Ah, niveau d'éducation. On arrive bientôt au troisième chapeau. Ça veut dire que le niveau technologique va augmenter. Mais pourquoi le niveau technologique est pourri alors qu'il y a certaines entreprises qui... Ça, c'est étrange. Bizarre, voyez-vous, bizarre. Alors, voyons voir ce que je peux foutre ici. Aile supplémentaire. Ah oui, non, d'accord, je peux mettre que des ailes supplémentaires. On va en rajouter une. Ah, d'accord, je comprends, en fait. Ah, je mets 2 ailes supplémentaires, comme ça, on est sûr qu'il y aura assez de place. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? Voulez-vous agrandir le centre universitaire? Jetez un œil aux possibilités, éditer. Non mais je viens de le faire, espèce de... d'abruti là. Triple buse. Qu'est-ce qu'il me redemande? Me dis pas qu'il me demande... Je crois qu'il est en train de... Non merci, j'ai pas besoin. La ville pour l'instant n'est... Ah, elle voulait que j'édite peut-être. Ouais, le problème c'est que j'ai plus de place. Hein. Ah, s'il me redemande. Voyons voir. Toutes les salles de classe de Rive du Scorpion sont pleines. Il vous faut plus de classes. Ça va être problématique parce qu'en fait, il y a plus de place, quoi, tout simplement. Et je vais devoir reconstruire une école. Ça va être un peu tendu. Je crois que j'ai construit une bibliothèque ici. Alors la bibliothèque augmente la valeur du terrain. Mais ça, c'est pas école primaire. Me dis pas qu'il va falloir que je rajoute une école primaire quand même. Ça bouffe de la place cette connerie. Et je crois que je vais être obligé. Hein. Eux, ils vont me demander un port pour les consommateurs. Notre ville est très grande. Si on avait le terminal de ferry, on pourrait faire venir des touristes. Ouais, d'accord.
Je veux bien, mais la dernière fois j'ai construit un port, mais bon, voilà, l'attrait était pas non plus flagrant, donc il y avait peu de monde. Ça, c'est un dépôt de tram, il me semble, ouais. Bateau. Alors ça prend. Ouais, je peux en construire un là. Hein. Voilà, c'est comme ça, vous allez être content. Ah putain, je me suis fait couiller là. Putain, putain. Oh, oh le fou, oh le fou. La route, elle roule dans, elle roule dans. Oui, la route roule dans le sol, oui évidemment. Bon, j'ai construit un terminal de ferry. On va voir ce que ça donne. Ouah, avec le petit panneau. Le petit panneau, quai de bateau de croisière, embarcadère, bon bah on va faire une quai de bateau de croisière, ça coûte que 10 000, on va voir ce que ça donne, la dernière fois c'était pas très concluant, je vais en rajouter un. Ok, ok d'accord, vous me snobez, non mais d'accord je retiens, les bateaux qui me snobent, on n'a jamais de week-end. Ok hein, tu vas te calmer aussi, non mais c'est quoi ça, les... oh hein, il pète un câble dans cette ville là. Alors, putain, la densité augmente beaucoup, 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 beaucoup. 315 Sims. Du coup, ils veulent une autre école, les sacs, là. Alors, je vais foutre ça où, moi? Bah, ici, hein. J'ai pas le choix. Hein. Attends, on va voir ce qui... Attendez, on va jeter un œil à éducation. Non, éducation, guidée. Ah non, annulé. Ouais, bon, moi je sais pas trop. Ah, à moins que ce soit ici qui me demande peut-être de rajouter des classes. Paf, ouais. Ici, on va mettre le max, hein, allez hop. Paf, un gros gros lycée, ça me coûte un bras, vous voyez. Je ne gagne beaucoup moins. Ajouter une classe à une école primaire. D'accord. Mais ça c'est un lycée Jean-Guy. Bon c'est pas grave. Ah oui peut-être il devait parler des Putain 700 Sims. Quand même hein, une école de 700 enfants c'est énorme hein. 1000 Sims au lycée. Et ici on a quoi, 359 Sims. Alors qu'on a la possibilité d'accueillir 1500 étudiants. Là vous foutez de ma gueule ou non. Non enfin je sais pas, ça j'ai rien moi. Bon. Ah ouais. Alors, plus je vous toujours à nous penser à tous les horribles méfaits et crimes que nous allons commettre, béni soit le cœur. Passer du côté obscur. Oh, mais non, je m'en fous, non. D'ailleurs, au niveau sécurité, tant que j'y pense, est-ce qu'on a un... On n'a pas de pompiers. Oh putain, regardez-moi les bouchons. Oh, faudrait peut-être que je construise le manoir de Maxis. Eh ouais, mais il y a trop de criminels ici, ça pue, ça craint en fait, ça craint. Tous les malfrats. Paf, je vais construire le commissariat ici. Alors c'est peut-être absolument pas l'endroit le plus stratégique, mais au pire on le déplacera. Voilà. Moi j'investis, je gagne plus beaucoup. 4 voitures, mais 5 crimes commis par jour, je peux pas. Mais en fait c'est pour ça, ça doit... La criminalité, ça doit stopper, enfin freiner le développement des industries technologiques, de technologie. Hop. Ah, est-ce que... Non, toujours pas. J'essaie de guetter un petit peu. On va toujours jeter un œil. Oui, je peux. Usine de processeurs, c'est magnifique. Mais attends, je... Attends, c'est quoi ce bordel? Je remplis même pas les... Ah, d'accord, non, c'était où? C'était soi, d'accord, ok, j'avais pas fait gaffe. Ok, bah cool. Bah, on va enfin pouvoir commencer à produire des processeurs. Et plus tard... Eh bien... Des téléviseurs, mais de toute façon je suis obligé pour l'instant de construire des processeurs pour pouvoir avoir accès au siège électronique qui va me permettre ensuite de faire des télés. Eh ben, c'est génial tout ça. Ça se présente plutôt bien. Et ça me gratte encore le pied là, je suis désolé, mais... Ah voilà, ça me gratte. Et bref. Bam. Et ça coûte combien? 60 000 160 000, on va les avoir. Donc on va se placer dans cette zone. C'est bien cette zone. Résultat, je mets pas d'autres. Non, on va pas se faire chier. Hein, paf, pas mettre d'autres. On va
On va pas mettre d'autres, disais-je, d'autres avenirs, hein, je pensais, bien sûr. Hop! Regardez-moi le virtuose. J'ai fait ça toute ma vie. En fait, je dessine des routes depuis que j'ai 2 ans. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais je vous jure, hein, c'est ma grande passion. Voilà! Et bah, c'est parti. What the fuck? Qu'est-ce qu'il me fait là? Hein? Quoi? Pourquoi il... D'accord, alors il y a des zones industrielles qui se sont placées automatiquement. Et je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. Alors, waouh, en fait ça prend un gain de place. Mon dieu. Ah, je vais devoir faire de la place là. Mon dieu. Usine de processeurs. Putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, d'accord, ça se place là. On va mettre ça là. Ok, mon usine de processeurs est placée. Regardez-moi ça, ce magnifique bâtiment. Il est très joli. Fermé pour processus d'embauche. Alors, il me faut de l'alliage, du plastique. Ah! Il nous faut de l'alliage. Importez-le ou extrayez du minerai brut et fondez-le à la fonderie. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il nous faut du plastique, commencez à en importer ou forer pour trouver du pétrole et raffiner-le dans une raffinerie de pétrole. Alors ça c'est vrai, en ce qui concerne le plastique, on va avec le pétrole, hein, tout simplement, on va servir du pétrole qu'on a. Par contre pour l'alliage c'est vrai que ça me fait chier, j'ai pas de minerai. Est-ce que importer du... Alors si je mets importer... Attendez. Tac. J'ai plus beaucoup d'argent. Alliage. Je crois que ça coûte une blinde, alliage, hein. Alors, importer. Ah, 42 000. Oui, pourquoi pas. Wouah, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est quoi ce bordel? Valeur du terrain. Ah, oh, ça pue ici. Bah d'ailleurs, je vais vous pourrir encore plus puisque je vais ramener du pétrole, les amis. Vous allez pas trop kiffer, mais je suis obligé. Mais ça va me coûter une blinde, j'ai pas assez. Est-ce que je peux faire des emprunts? Ou alors j'ai toujours des emprunts? Non, ouais, j'en ai toujours un. On va se faire encore un emprunt ici. Hop, voilà. Allez, forage. Un petit peu de pétrole là. Waouh, ça prend tellement de place. Je vous ruine le terrain, les amis. J'en ai rien à péter. Et je pompe. Et je vais pomper, hein. Vous allez voir que je vais pomper, hein. Mais en fait c'est moisi, hein. J'ai chié au niveau du putain, j'ai chié complètement là. Ah, j'ai foiré là. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse bourde. Ah, écoutez, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai que 3 puits. Je vais faire ça, mais en fait, ouais, il faudrait que là, je refasse la route ici, que je... Pour tout pomper. Mais pour l'instant, on va faire ça, parce que j'ai pas les moyens. Le temps que je rembourse ce prêt et que je fasse un peu de plastique... comment je fais du plastique, déjà? Ah, mais il me faut une raffinerie, quoi. Oh, la vache. Oh, bah ça, par contre, je vais la foutre là-bas, hein. Ah, c'est tellement gros, ça. Putain, je peux le mettre nulle part. Pouh! Putain, c'est juste. Bon, j'ai une raffinerie. Oh, je gagne plus rien, c'est chaud, c'est chaud. Et il faut, ouais, il faut que je... Du plastique. Machin de plastique, d'accord. Ah, j'ai passé Simfouz. Bah, j'aurais fait beaucoup d'installations. Maintenant, il faut que je regagne un peu d'argent. Ici, ouais, 240. Ouais, j'espère que ça va monter même avec 3 barils. Là, il y a de quoi pomper, hein. Ça va pomper. Ça va pomper un peu, hein. Par contre, l'alliage, ouais, ça va être tendu, hein. Vraiment tendu. Ici, ça me rapporte que dalle, toujours ça. Hein. Ouais, charbon, ça rapporte vraiment pas énormément, hein.
Ça c'est sûr, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Désolé, j'ai une chanson dans la tête. Oh, regardez ça! J'ai réussi à mettre 4 puits. Bon, en faisant un truc un peu foireux, mais c'est pas grave. Au moins, je vais pomper plus. C'est plus logique comme ça. Voilà. Ah, là, on est bien! On va rajouter un camion. Voilà. Bon, et je gagne plus que 25$ de l'heure. Oui, 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 je suis sérieux. Bon, ici, résultat, je vais pouvoir faire du plastique. Processus d'embauche. Ah, attendez, les mecs, là, vous avez de la main d'œuvre. Hein. Vous foutez pas de ma gueule, hein. Vous foutez pas de ma gueule, les gars. Putain, et niveau trafic, c'est sévère aussi. Hein. Et on arrive déjà à 30 minutes, les amis. 80, on fait quoi, alors hein? Je savais que ça allait me coûter un bras pour que dalle. En train d'attendre, gna gna gna. Passage résident, passager touriste, 90 par jour. Ouais, c'est ça, c'est que dalle. C'est pas énorme. Hein. Et je suis en déficit. Bah voilà. Waouh, j'ai des beaux bâtiments commerciaux qui se développent, là. Faudrait peut-être que j'augmente les impôts. Tiens, c'est une bonne idée, ça, les riches. Allez, hop. Vous allez passer à la casserole. Paf. Non, c'est, je me suis gouré, c'est ça. Paf. Nous sommes rentables. Ouais. Si on veut, pour l'instant, je gagne que 150. Ouais, gna 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 gna. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un puits de pétrole, c'est bien, mais savez-vous que vous pouvez en acheter d'autres? Vous pouvez même prolonger la boîte. Oui, d'accord, mais ça, je l'ai fait, ça. J'ai 4 puits, 800. Putain, ça... Waouh, ça produit bien, ça. Poum, 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 poum. Ça pompe, ça pompe, ça pompe. Oh putain, coupure d'eau, il manquait plus que ça. Lololo, la flotte. Oh la vache, je suis dans un espèce de déficit macro de la mort qui tue, de ce que vous voulez. Ah, il faut que ça pompe là, il faut que ça pompe. Oh putain, il y a plein d'eau ici, je vais me faire couiller à cause de la route. C'est tendu, on va essayer de faire ça full... Oh, full château d'eau là. Full château d'eau. Ah, j'ai vraiment beaucoup d'eau ici. Hein. Bon, ça va. Paf, l'eau est revenue. Bon, fermé pour coupure d'eau. Ah, et processus d'embauche. Putain, main-d'œuvre nécessaire. Vous foutez de ma gueule là. Non, non, non. Alors. Alors, 60 employés, tu fonctionnes pas? Oh! Non, là, franchement, il y a des limites! Bon, tu veux de la main-d'œuvre? Je vais t'en amener, moi, de la main-d'œuvre. Je vais t'en amener, moi, de la main-d'œuvre. Et par contre. Paf, voilà, ça c'est... Ah, je me suis fait couiller là. Ah, j'ai fait le con. Ah non, non, c'est nul ça. Ah, c'est nul. Attendez, si je négocie comme ça... Regardez le professionnel. Je vous ai dit que j'ai fait ça toute ma vie. Bon, ça va faire un peu moche. Ça va faire très laid. Mais bon, voilà, c'est pour amener de la main d'œuvre. Pareil ici, hein. Voilà, voyez, on peut construire partout. Bah. Alors ici, tu fonctionnes, bordel de bite. 24 ans, putain, mais en fait, ils sont tous tirés, les employés. 25 employés, 25 employés, pas d'alliage, production interrompue, blablabla. Oui, ça s'est tendu, hein, et on arrive déjà à 35 minutes. Bon, les amis, je suis désolé, mais on va devoir se...
quitter là-dessus. On va devoir se laisser là-dessus. Oui, c'est déjà fini. Mais voilà, ça me donne bien l'envie de jouer à SimCity là. Oh, regardez-moi ça, comment c'est bouché. Il va falloir que j'augmente la densité des routes. Bon, bref, voilà, on a des entreprises technologiques qui commencent à arriver sur le territoire. Mais j'ai pas du tout assez de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il me fait là? Hop. Alors, ouais, voilà, j'ai assez de main-d'œuvre. Super, les gars, vous pouvez bosser. Pas de pétrole bêta, pas d'exinterrompu. Transport de pétrole raffiné. Capacité des camions de mazout. Non, mais je m'en fous en fait. Faudrait que vous alliez. Ah, attendez. Ah oui, mais d'accord, mais. Oh, mais quel idiot. Mais oui, forcément, il faut que. Bon, ça en fait, je peux en virer hein, parce que. Paf, ça ne sert à rien. Il me faut du pétrole ici, paf. Voilà, il faut que j'ai un endroit où stocker le pétrole pour qu'il soit utilisé. Sauf que le pétrole, j'utilise livraison locale de pétrole, voilà. Oui. Ok. On va voir ce que ça donne et on va se quitter là-dessus. Alors, école, qu'est-ce qu'il y a ? Qualification peu élevée, les unités de production se plaignent de pas trouver d'employés qualifiés, construire plus d'écoles. Tu te fous de moi, Michel ? Je veux bien construire une autre école primaire, mais bon, faut arrêter. Regarde, je suis quasiment... Niveau d'éducation, je suis à 4, mais niveau technologique, ça n'augmente pas. Écoute, à moins qu'il faille une université, mais bon, voilà. Putain, 1500 barils par jour. Alors, voyons voir ici. Est-ce que ça se remplit? Non, ça se remplit pas encore, hein. Mais pourtant, il y a du camion ici, non? Ouais, c'est parti. Là, normalement, c'est bon. Hein. Il y a du baril. Non. Ah, je peux améliorer ma mairie. Super. Wouh. Génial. Alors. Putain, j'ai toujours pas de... Ah, à moins qu'il soit directement envoyé là-bas. En fait, je suis un peu stupide. Oui, en fait, je suis con. Ah oui, non, à moins qu'il ait déjà... Ah, là, je produis du plastoc, là. Ouah, ça produit du plastique. Oh, God, ça produit du plastique. Bah, écoutez... Vu que je produis du plastique et que là il y a besoin de plastique mais qu'il nous faut de l'alliage, eh bien écoutez, on va vendre histoire d'avoir assez d'alliage. Mais l'alliage, putain, en fait faudrait que j'augmente peut-être la production de pétrole pour que j'en vende une partie. Ah, c'est tendu hein. Pour que j'en vende, mais pour l'instant, écoutez, ce que je peux faire, c'est vendre du taxe, on va le virer, et on va essayer de vendre un peu de plastoc, parce que le plastoc, ça se vend bien. On va exporter du plastique un peu, histoire de se faire un peu les couilles en or, vous voyez. En attendant de trouver de l'alliage. Parce que je n'ai pas d'alliage. Ah, attendez, faut peut-être que je fasse des camions là, non? Ah, j'ai pas fait le panneau. Paf, petit panneau. Mon transport, camion de caisse. Non, c'est pas ça qu'il faut. Pardon, c'est pas ça, c'est ça. Alors, j'en ai qu'un. Ouais, bah en attendant, ouais, autoriser les livraisons locales plastiques, ouais, de machin, machin, machin. En tout cas, il nous faut l'alliage. Voilà, et tant que j'ai pas d'alliage, faut que je vende. Faut que je vende, mais du coup, là, si vous voulez... Bon, il faut que je vire ça, là. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en contrefous. Ah, oh, ça m'énerve, je voulais faire 30 minutes et je fais 40 minutes. Allez, on construit ça et on se laisse ici. Résultat, on va construire ça. C'est où, c'est où, c'est où? Alliage, on va importer... On va attendre là, juste, paf, 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 alliage, tac, importé, ça va nous coûter un gros bras. Voilà, on va attendre, on va voir ce que ça donne, je veux juste voir mes premiers processeurs. Bah d'ailleurs, les processeurs, on va pouvoir les vendre. Bah voilà, j'ai trouvé, on va pouvoir vendre les processeurs. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, non, merci.
Importer du plastique. Oui, d'accord, si tu veux importer de l'alliage. Ah, voilà, normalement, ça a marché. Donc, j'ai de l'alliage. J'ai payé une blinde, mais j'ai de l'alliage. Alors, est-ce que tu veux bien me... Donc, j'ai du plastique. L'alliage, paf, va transiter. Et je vais pouvoir vendre, donc, disais-je, de... des processeurs. Et ça, à mon avis, ça doit rapporter la masse de thunes. Le problème, c'est que j'ai plus assez de place. Je sais pas pourquoi j'ai construit ça, en fait. Non, en fait, ça... Ouais, le pétrole, il me sert à rien, le truc de pétrole, il me sert à rien. Alors, je sais pas si tout le pétrole qui était là-dedans, je le perds, mais... On va mettre ça. Voilà. Je veux juste voir mes premiers procos partir. Oh, 105 000. Oh oui, j'exporte. J'exporte. Oh là là. Oh là là, j'exporte. Oh. Oh, mon dieu, l'orgasme du plaisir. Ah, j'aime ça, j'aime. Ça, j'aime comme la marque. Ah, 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 ah. Pardon, c'était pas drôle. Je ne suis qu'un siège. Chaîne de montage de processeurs pour augmenter la production, ça coûte 50 000. J'ai trop envie de jouer, mon dieu. Allez hop, on est fou. On va faire péter le crédit. On fait péter le crédit 50 000, on casse le code EVI, c'est parti, paf, la chaîne de montage et boum. Et là, c'est le drame. Paf, le deuxième camion. Je veux juste voir... Bon, résultat, ça fera 45 minutes, ça ne veut rien dire. Demain, ça va mettre encore une centaine d'heures à se plaude. Putain. Enfin, oh non, tu peux pas me faire ça, Jean-Claude. Pas le processus d'embauche, pitié, non, tu ne peux pas... Tu ne peux pas te... Non, voilà, enfin bref, j'arrive pas à parler, mais tu me comprends. Tu ne peux pas te permettre de telles choses. Et c'est vraiment ça qui manque, c'est la main d'œuvre. C'est... Bon, écoutez, hein, je veux dire, bon... Putain, on peut vraiment faire nulle part, hein. C'est chaud, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Il y a plus de place, hein, mais voyez, c'est ça le problème dans ce putain de jeu. C'est qu'il n'y a pas de place. Bah écoutez. Je vais vous en faire moi. Waouh, 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 qu'est-ce que tu me fais là? Et hop. Voilà, je t'en fais de la place moi. Qu'est-ce que me veut le pompier? Je m'en fous et ça je m'en fous. Mais oui, bah regarde, je suis quasiment... Non mais là il se fout de ma tronche. Allez hop, faut que ça se développe. Je veux voir mes premiers processeurs se casser. J'ai largement assez d'alliage. Je gagne pas beaucoup. 800, putain, 800 caisses. T'as 100 000 simflous, vous vous rendez compte? Oh là 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 là, c'est la classe, c'est la classe, c'est la classe. Il me faut encore... Paf, voilà, encore un camion de transport. Ça va me ruiner, je sens l'alliage. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. Le charbon, est-ce que ça part d'ailleurs? Ouais, ça part. Ça, ça importe. Ça, ça part. Ok. Je veux juste voir une livraison, là, s'il vous plaît, de caisse. Oh, le plastique, j'en produis. Et d'ailleurs, le plastique aussi, j'en exporte. Ah non. Ah si, j'en exporte. Ah bah oui, carrément. Alors, voyons voir les transactions. Merde, comment on faisait pour voir les transactions? Je veux voir les transactions. Ah, c'est là. Non, c'est pas là. Comment on faisait? Putain, merde. Ouais, il me demande trop de choses, les gars. Oh là là. Oui, putain, un réseau de bus. Oh, les bouchons. Ouais, il va falloir que j'installe un réseau de bus. Et plus vite que ça, parce que là, transport, non, ça va pas, là. Non, non, il me faut un réseau de bus. Il faut un réseau de bus. Il n'y a pas de secret, il me faut un putain de réseau de bus. Bon. Alors, est-ce que ça part, ça? Bon, comment on fait pour voir ces... Ah oui, c'est là. Non, c'est pas là. 6 recettes. Attendez, comment je fais pour voir... Transaction, charbon, 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 charbon. Novembre, année 1. Ouais, là, pour l'instant, j'ai vendu que du charbon. Alliage 42 000. Bam! Ça m'a tué, ça. Ça m'a tué. Mais vous allez voir que quand ce... quand le... Merde, comment ça s'appelle, là? Quand le machin va... Voilà, les processeurs sont là. Attention. Attention, ça va partir, les gars. On va se laisser là-dessus. 45 minutes, nous avons 1000 caisses de processeurs. Attention, ça va partir. Putain, avec ça, on va se faire des couilles en or, je peux vous le dire.
Et avec ça, on va pouvoir produire des télés et finir archéologie. Vous voyez, mine de rien, c'est un long processus, hein. C'est long, hein, et c'est ça, SimCity, c'est faire de plein de villes, des régions entières qui se spécialisent pour au final réaliser de grands projets. On a des premières tours, ah, ça fait plaisir. Et le grand problème, enfin la grande préoccupation maintenant, c'est les transports, parce que là, il faut le bus, hein. Là, il faut le bus, ça va fluidifier à mort le trafic. Il me faut un putain de réseau de bus. Et forcément, ça attire de la main-d'œuvre. Hein. Et bim, 5 000, les mecs, ça se fête. Voilà, les premiers processeurs ont été vendus. Et je me suis fait 100 000 boules dans les dents. Paf! Allez, donc sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, ça me fait plaisir de revenir pour vous faire des vidéos. J'espère que... vous aussi ça vous fait plaisir et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et sur ce, portez-vous bien. Allez, salut à tous.